Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo tutoriel où je vais pouvoir vous apprendre le tour de la disparition d'une pièce. Je vais d'abord vous faire ce tour. Je vais prendre donc ma pièce dans ma main et je vais la frotter contre mon bras. Donc, je vais prendre ma pièce et je vais la frotter contre mon bras. Voilà. Et au bout d'un certain moment, je pense que la pièce a réussi à s'incruster dans mon bras et à disparaître. Donc maintenant, on va passer à la partie des explications. Si vous prenez votre pièce dans votre main, il faut une pièce de l'ordre des 5 centimes en bronze pour qu'elle puisse se fondre à la couleur de votre peau. Pour que ça paraisse pas suspect, la manipulation va consister à prendre votre pièce, qui est toujours ici, à la frotter contre votre bras, à faire exprès de la laisser tomber. Donc là, je l'ai mal fait. Voilà, à faire exprès de la laisser tomber. Et c'est là que repose toute la manipulation. Vous allez la prendre avec votre majeur, la tirer vers le bord de la table, croiser vos jambes et laisser tomber la pièce sur vos jambes. Donc voilà, là ma pièce est tombée et on croit qu'elle est toujours ici parce que vous allez la prendre imaginairement avec votre pouce. Donc si je fais la manipulation, ça fait comme ça, voilà. On dirait vraiment qu'elle est tombée. On dirait vraiment, pardon, qu'elle est toujours dans mes doigts, sauf qu'elle est tombée. Je la prends comme ça. Une fois qu'on est ici, évidemment, ça va être simple. Il faut allonger l'amplitude des mouvements de vos poignets et écarter vos bras petit à petit, tout en agitant les doigts à la fin pour ajouter un petit effet théâtral. Donc voilà, si je le refais, c'est comme ça. Je laisse tomber la pièce, je fais la manipulation, je la prends, je l'incruste dans mon bras, je ralentis, j'écarte. Et je montre mes doigts comme ça. Je peux montrer qu'il n'y a rien dans ma manche, qu'il n'y a rien dans mon bras non plus. Elle a véritablement disparu. La vérité, c'est qu'elle est sur vos genoux. Et pendant une soirée, par exemple, vous pourrez mettre pour dissimuler que vous prenez la pièce, vous pouvez mettre les coudes sur la coudoir, prendre votre pièce discrètement et puis la mettre discrètement dans votre poche. Donc voilà, c'est un tour très facile qui animera vos soirées entre amis. Et avec un petit peu de pratique, il passera tout seul. Voilà, j'espère vous avoir aidé. À bientôt.